où tu veux, il fait là-bas. Oh, tu filmes ça? Bien sûr. Bonjour et bienvenue sur ma page Arlanka TV et dans cette vidéo K47 Corona Out. Aujourd'hui c'est l'épisode 4 de mon entraînement, donc comme je vous l'ai dit ça s'appelle K47 Corona Out et donc là on est sur l'exercice de frappe. Vous avez pu voir l'échauffement et là maintenant on travaille la précision. Donc vraiment le but aujourd'hui c'est de travailler la précision, précision, précision et pas vraiment la force. Mais vous allez voir qu'au final, quand on maîtrise la précision, on peut allier la précision et la force. Donc voilà, je vous laisse apprécier un petit peu ce moment-là et vous pouvez le répéter chez vous, à surtout répéter chez vous-même. Ah, wouh! En direct des téléphones. Aïe, ballon d'or. Pour l'exercice numéro 2, le but c'est de recevoir le ballon, la contrôler, la mettre vite au sol, enchaîner un dribble et frapper. Encore une fois, là, on est sur de la précision d'abord et ensuite, on peut allier précision et force. Mais vraiment, le but, c'est de contrôler, mettre vite au sol, enchaîner un dribble ou sinon frapper directement. Après, ça vient tout seul. Oh, tu filmes ça? Bien sûr. Oh, elle a... Oh my god! Oh non! Oh! Oh. Ouais, vas-y, d'ici, moi je tire. Oh! Oh la la! Oh la la! D'accord. Oh. Oh. Heeft afgekeurd. Gaat hij nu nog kijken naar de al dan niet overtreding van El Amadi. Van scheidsrechter Danny Makkely.
Vas-y. Hop. Pour finir, travail devant les buts, sur des centres, très important parce que c'est vrai qu'en match, la balle ne vient pas comme on veut et il faut la prendre comme elle vient. Et donc du coup, il faut s'habituer et travailler dessus parce que c'est vrai que parfois sur un match, tu peux avoir un centre, un corner, ça dépend. Tu en as peut-être un et donc il faut le marquer. Et donc du coup, il faut être lucide, il faut parfois contrôler, parfois il faut tirer directement, ça dépend. Mais il faut être lucide. Voilà pourquoi je voulais travailler ça, parce que c'est très important. Voilà, une de mes séances de frappe. Pensez bien au début, bien vous échauffer. Et ensuite, il y a différents thèmes, vous pouvez le mettre à votre sauce. Mais voilà, ça fait partie en tout cas moi de une de mes séances de frappe. Et je pense que ça va pouvoir aider ou inspirer d'autres. En tout cas, prenez soin de vous, entraînez-vous, portez-vous bien. On est ensemble. K47 The Story, ça arrive bientôt. Ah, wouh! Bien joué. Oh là là! Bon. Refait. Magnifique. Oh my day. T'es pas arrêté, oui. T'as entendu, j'ai dit quoi? Ouais. J'ai dit refait. Reviens. Je l'ai senti, donc j'ai tiré direct.